Bonjour à tous et bienvenue encore dans ma safe place. Ce soir, on va rendre grâce à Dieu pour l'année 2023. On va venir avec un cœur reconnaissant, même si l'année a déjà vraiment bien débuté. On va lui rendre grâce en fait pour tout ce qu'il a été pour nous en 2023, pour tout ce qu'il a fait pour nous en 2023. Et on va vraiment disposer nos cœurs.
Je veux te rendre la gloire, je veux te rendre la gloire. Yahshé lié sona lié soraba lié lié sota lié sa nama lié sota lié chelé lié kamala ya sota lié sita yasante lié sora lié sama. Peu importe ce que j'ai perdu, peu importe ce que j'ai laissé, peu importe ce que j'ai laissé, tu as été bon. Peu importe mes larmes, peu importe mes cris, peu importe ma tristesse, peu importe ce qui s'est passé, tu as été bon. Tu as été là, Lisa Namalie sous Tolo
curiosité. Dans les moments d'incompréhension, tu as été là. Les Kataries, oh, Tamalie, Chérie. Dans mes moments de peur, tu as été là. Les Sonamalie, Sika. Tu as été là. Les Samaliers sont tariés, sont cantelés. Les Maliers sont yacha yacite. Tu as été là. Les Samaliers sont cataliers, sona. Lia sotonoloyo cite, lia chara. Les Namaya sont aliés, cite. Tu as été là. Les Cataliers sont ama. Les Namaya sont les canteliers sont tariés, les carriers sont tariés. Quand je ne pouvais pas parler, tu étais là. Quand je n'avais pas les mots, tu étais là. Quand je ne pouvais me confier à personne, tu étais là. Quand je n'avais à personne à qui aller, tu étais là. Quand j'étais dans le mal, tu étais là. Et c'est pour ça que je veux reconnaître que tu étais bon. Je ne veux pas regarder à ce qui s'est bien passé pour reconnaître ta bonté en 2023. Je ne veux pas regarder au succès, à ce que j'ai pu réussir pour déclarer ta bonté en 2023. Je veux regarder dans les moments où j'étais dans le mal. Je veux regarder dans les moments où je ne voyais personne. Je veux regarder dans les moments où j'étais incomprise de tous, mais où ta présence était là, où ton amour m'environnait, où ta présence me transportait, où toi-même tu me prenais dans tes bras, où tes mots ont été des sources de consolation, où tes mots ont été des sources d'encouragement. C'est à cela que je veux reconnaître ta bonté. C'est à cela que je veux reconnaître que tu as été bon. C'est en cela que je veux dire et déclarer que tu as été bon. Pas pour les moments où j'ai rigolé, pas pour les moments où j'ai célébré des victoires. Ces moments, il y a plein de personnes. Ces moments, tous ces moments sont chargés de personnes qui rigolent, qui célèbrent ta joie. Mais quand j'étais là-bas, loin des regards, tu étais là. Tu m'as pris dans tes bras. Tu m'as montré. Thank you.
sonar yesitamara ya shamala ya sotali esike likari esotali esana ya sheleli esotali esama likari esotama lele shaya santelie le katelie sota ya shama heya sitama. Demander pourquoi tu vas rendre grâce en 2023, pour 2023. Pourquoi rendre grâce alors que j'ai perdu l'être le plus cher? Pourquoi rendre grâce alors que j'ai divorcé? Pourquoi rendre grâce alors que j'ai perdu mon meilleur ami d'enfance? Pourquoi rendre grâce alors que je n'ai pas obtenu ce travail, du coup j'ai été expulsée de mon logement? Pourquoi rendre grâce? Est-ce que 2023 a vraiment valu la peine d'être vécu? Est-ce que vraiment 2023 était vraiment une année où j'ai pu tirer quelque chose de bon? Tu peux te demander pourquoi rendre grâce à Dieu. La Bible dit que les épreuves arriveront, que les ténèbres arriveront, que les difficultés arriveront. Mais ce qu'il a promis à chacun de nous, c'est d'être avec nous tous les jours jusqu'à ce qu'il vienne. Alors oui, tu as peut-être perdu ta mère, tu as peut-être perdu quelqu'un de très cher, tu as peut-être perdu quelqu'un et tu es dans ce deuil encore et encore et encore. Et tu te dis, mais je ne peux pas rendre grâce en 2020, pour 2023. Je ne peux pas accepter de rendre grâce pour une année qui m'a tout volé. Je ne peux pas accepter de rendre grâce pour une année où je n'ai que de mauvais souvenirs. La vallée de l'ombre de la mort. Tu peux traverser cette tempête où tu es mouillé, où le vent te fracasse, où le vent te chicote, où la pluie te mouille, où tu te sens démuni, où tu grelottes. Mais il est dans ta barque. Mais il est dans ta barque. Il est dans ta barque. Et si 2023, tu as subi les choses les plus horribles qu'on peut imaginer? Et si 2023, tu as subi tout cela sans lui? Viens à lui. Parce que même si tu pleures, même si tu auras de la peine, même si tu vivras des difficultés, tu seras dans sa présence. Et c'est sa présence qui te garde. C'est sa présence qui te transporte. C'est sa présence qui t'amène à déclarer la bonté de Dieu, peu importe ce que tu vis. Maya, Shekai, Samalaya, Lea, Sie, Sitamale.
Yeah.